FM, l'invité du 16-20. Mon invité aujourd'hui est une star de la pop, une des personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux dans le monde, une des artistes les plus populaires depuis 15 ans. Elle sort son nouvel album aujourd'hui, il s'appelle 143, qui est le code en fait pour la phrase « I love you ». Katy Perry est mon invité dans le 16-20 RFM aujourd'hui. L'interview est également en vidéo sur la page Facebook d'RFM. Bonjour Katy. Hi, bonjour, ça va? Tu vas bien? C'est tout ce que je sais. Je dois travailler mon français. Ma mère me parlait en français. Elle m'appelait mon petit oiseau. C'est très mignon, mon petit oiseau. Quel est le premier disque que tu as acheté quand tu étais ado? Oh, wow, what a great question. Oh, wow, quelle bonne question. Alors, le premier disque que j'ai acheté, c'est drôle, c'est un groupe qui s'appelle Incubus. Oui, c'est un groupe de rock. A rock band. Oh, oui, c'est ça, un groupe de rock. Et comme je viens du sud de la Californie et que le rock y est très présent, mes premiers albums étaient très influencés par le rock. Et à mon âge, je n'étais pas autorisée à écouter ce style de musique. Alors, je l'ai ramené en cachette à la maison. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et quand j'ai sorti le CD de sa boîte, il s'est littéralement cassé en deux. Je me suis dit que c'était un signe de Dieu, comme quoi je ne devais pas écouter ce genre de musique. Comme s'il me disait, non, tu n'écouteras pas de rock'n'roll. Katy, quel est l'artiste ou la chanson que tu écoutes en ce moment? Tu sais, j'écoute de la musique en faisant du sport ou quand je nage. Mais quand je nage, je ne mets pas de musique, je me concentre plutôt sur ma respiration. Quand j'en écoute, en ce moment, c'est entre Santa Barbara, une petite ville où j'habite, qui a environ 1h30 de route de Los Angeles. Et quand j'écoute de la musique sur le trajet, ces derniers temps, j'écoute Chaperon, qui est une chanteuse américaine du Midwest, qui est une très très bonne compositrice. Ah bah on va écouter un extrait pour ceux qui ne connaissent pas Chaperon. Elle commence à arriver en Europe et en France d'ailleurs, hein. Commence à avoir du succès. Katy Perry est avec nous sur RFM. Katy, j'avais vu un de tes concerts lors de la tournée précédente avec l'œil géant dans le décor. J'adorais ce décor. Et toi, t'étais accrochée à des petites planètes qui se baladaient dans les airs. Ouais, je suis toujours suspendue en l'air en train de faire des trucs. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et alors, quelle est la chose la plus inattendue qui te soit arrivée lors d'un concert? C'est toujours drôle quand quelque chose d'imprévu arrive, que quelque chose casse ou qu'il arrive une panne. Une fois, j'étais sur une planète qui traversait la salle en hauteur et en fait, elle s'est coincée. On a dû me redescendre lentement, manuellement. Et ça enlève un peu la magie, mais ça fait partie du spectacle. Et du coup, j'ai atterri au milieu de la foule, mais ça fait des souvenirs pour les gens. Du genre, c'est arrivé pendant leur concert, dans leur ville. Ils adorent ça, en fait. Et c'est pas grave quand ça arrive. Katy Perry est mon invitée aujourd'hui, elle est sur RFM et on la retrouve après avoir écouté le single de ce nouvel album qui sort aujourd'hui, The Woman's World.
Katy Perry sur RFM Women's World, sur ce nouvel album qui vient de sortir aujourd'hui. C'est l'invité du 16-20 aujourd'hui quand je l'ai rencontré. Cette interview est également en ce moment en vidéo sur la page Facebook d'RFM. RFM, l'invité du 16-20. Cathy, alors on sait que tu chantes évidemment, on sait que tu danses, on sait maintenant que tu fais de la méditation. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas faire ou pour lesquelles tu es nulle ? Une discipline dans laquelle je suis nulle. Je dois faire depuis un moment un saut en parachute. Mon copain adore ce genre de choses, mais j'ai pas vraiment envie. J'ai l'impression de tester la chance, et comme j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai pas besoin de tester. Peut-être que je le ferai quand je serai vieille à 80 ans, alors je me laisserai tenter. Le truc où j'assure pas, c'est me lever tôt. Mais je le fais parce que maintenant je suis maman, ma fille va à l'école et j'ai pas le choix. Avant, je dormais 8 heures minimum. Maintenant, c'est plus 5 ou 6 heures. Mais comme je te l'ai dit, je fais de la méditation, c'est mon truc. Ça m'aide pour la récupération. Et enfin, j'avoue que je suis souvent en retard. C'est d'ailleurs toujours ma résolution au nouvel an. Cette année, je serai à l'heure à mes rendez-vous. Oh bah alors, tu dois pas progresser des masses alors, parce que si tu prends la même résolution tous les ans, ça veut dire que tu y arrives pas. Je progresse petit à petit, graduellement. Les gens qui m'entourent me disent « Oui, c'est bon, c'est un peu mieux, mais tu nous fais perdre beaucoup de temps. » Alors Cathy, si on envoie à des extraterrestres sur une autre planète la chanson qui, selon toi, te définit le mieux, tu leur envoies laquelle ? That's a great question. Oh, super question. Je crois que je leur enverrai probablement Firework. Alors, tu sais quoi, ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que je suis DJ et je la joue depuis des années dans mes sets. À chaque fois que je joue Firework, les gens adorent, ils dansent comme des fous. Thank you. Oh, merci. Tu sais, cette chanson est aimée par toutes les générations, des enfants de 8 ans comme des gens de 80 ans. Et surtout, les enfants qui n'écoutent pas ma musique d'habitude, quand ils entendent Firework, ils se mettent à danser. Certains ont grandi avec cette chanson qui représente quelque chose, surtout en Amérique. Par exemple, lors de la fête nationale le 4 juillet, c'est la chanson chaque année. Elle met la pêche et tout le monde chante à tue-tête. Donc, pour répondre à cette question aux extraterrestres, peut-être qu'ils diraient « Eh, les humains font des choses sympas !» Eh oui, on va l'écouter, cette fameuse chanson. Eh, messieurs les extraterrestres et mesdames, écoutez ça. Katy Perry est l'invitée du 16-20 RFM. Voici « Firework ». Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go.
Fireworks sur RFM, un des plus grands tubes de Katy Perry qui sort son nouvel album aujourd'hui. Et je l'ai rencontré, c'est mon invité. Et l'interview est en même temps en ce moment, au moment où je vous parle, sur la page Facebook d'RFM. RFM, l'invité du 16-20. Katy, ton album sort aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la jeune Katy Hudson, qui n'a pas encore changé de nom, et qui vient de sortir son premier disque sous son vrai nom, et qui vient de débuter en fait? Le genre de conseil que je lui donnerais serait: vis un peu plus dans le moment présent. Car c'était si intense quand j'ai commencé la musique, ça a décollé comme une fusée à un moment où j'étais pas encore vraiment prête émotionnellement. D'ailleurs, je sais pas si une personne est prête pour ce genre d'expérience. C'est pour ça que si de jeunes artistes arrivent, peut-être que je leur enverrai un message pour leur proposer de partager mon expérience. Je leur dirai: je suis là si tu veux parler, je sais ce que tu traverses, ça fait peur, le monde entier te regarde, mais ça va aller, tu vas survivre. Ne prends pas les choses de manière trop personnelle. Moi, j'évite. Et je me disais: mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est ça le succès? Ça arrive aux autres aussi. C'est si intense. C'est vraiment génial d'être numéro un. Mais en même temps, c'est tellement violent. Et je peux te dire que je suis heureuse d'avoir traversé tout ça, d'avoir une magnifique petite fille. Et je pense que je suis à peu près bien dans mes baskets. Pour se quitter, alors, un mot en français, à part bon appétit, parce que pour toi, bon appétit, c'est trop facile. One word. Un mot. Un mot en français. C'est pas possible. Yeah, there you go. C'est pas possible. C'est original, c'est pas mal. Merci, Katy. Thank you.